génial. Alors voici un ami qui a suivi tranquillement la scène du Burkina Faso. Écoutons sa version. Je crois bien que nous serons épatés. En ce temps, on entend les bruits qui sortent au niveau des chefs d'état-major. En ce temps, nous aussi, on est commandé de nous chercher. En ce temps seulement, quand on veut ramasser notre programme, on entend les bouillailles. En ce temps-là, même nous-mêmes, moi-même, j'ai pensé même que je suis décidé. Tellement, je ne sais pas, j'étais embrouillé et puis je suis couru, laisser mes portables avec mes chaussures, là même tout s'est laissé. Vous suivez toujours la télévision qui vous donne les informations. En Guinée, un affrontement qui s'est déroulé entre les hommes armés et la population civile. Je ne vais pas trop parler car notre reporter Jacques le Mineur est là-bas pour des questions. La sécurité, même qu'il apprend les cailloux pour m'a lancé. Pourquoi? Pourquoi les sécurités? Pourquoi ils sont ici? C'est pour nous? C'est pour nous défendre? Ils ne sont pas ici pour nous saccager? Je veux savoir, est-ce que vous n'avez pas eu peur? Je suis peur! Alors nous continuons toujours avec cette femme-là qui a une explication à donner concernant l'accident qui s'est produit du côté d'Abidjan Port-Boué. Des témoins racontent. Avion là! On a arrêté ici. Maintenant, on voit l'avion là, vient. Pii! Un coup là, même là. Il a tombé, voum, avec poussière. L'homme l'est blessé dedans. Il n'y a moyen pas de regarder. Tu m'as pas quoi? Regardez. Regardez. Il a tombé, voum. Il a tombé, voum, voum. Il a tombé, voum. Il a tombé, voum. Tombez-vous.